Alors, je reprends car on ne m'entendait pas, je vous prie de m'excuser. Et donc, je vous disais que nous n'allons pas être si éloignés de ce que nous disait Martia à propos du Caravage, assez curieusement, et à propos de Clair-Obscur, pendant que j'évoquerai cette ronde de nuit, un des tableaux les plus fameux de Rembrandt, l'un des plus visités, admirés au Rijksmuseum. Et vous voyez, eh bien, cette milice, le tableau a été commandé en 1640. Et achevé 2 ans plus tard par Rembrandt. Et ce tableau gigantesque, d'à peu près 5 mètres sur 3, est une commande du capitaine de la garde civique, autrement dit d'une milice bourgeoise de mousquetaires, le capitaine Franz Banninckhoff, que nous voyons eh bien, au centre de la composition, à côté de son lieutenant, Wilhelm von Ruytenbursch. Et vous vous doutez, eh bien que pour avoir une telle commande, Rembrandt est déjà un peintre fort reconnu à Amsterdam dans ces années 1640 à 1642. C'était la mode à ce moment-là d'avoir ces magnifiques tableaux, un peu des cartes de visite collectives pour les différents syndics ou académies. On aura d'autres exemples dans l'œuvre de Rembrandt qui se partagent pour ces toiles les plus connues entre ces autoportraits si intimes, si intimistes, introspectif et puis ses grandes compositions avec ses portraits de groupe. Mais cette représentation de la ronde de nuit et de tous ceux qui s'apprêtent, ou plutôt s'apprêteraient, semble-t-il, à partir veiller sur la ville d'Amsterdam, parer tout danger, eh bien, ce portrait de groupe est fort différent de celui de la fameuse leçon d'anatomie du docteur Tulpe, de celui du syndic des drapiers et d'autres tableaux similaires. Voyons ce qui est de nature à nous surprendre. Alors, bien sûr, nous avons eh bien, ces personnages infiniment élégants qui semblent pénétrés de leur prestige, de leur importance avec le capitaine et son lieutenant. Et avec cette main qu'il nous tend en quelque sorte, nous, spectateurs, et ce geste eh bien, qui va mettre en branle toute cette assemblée de miliciens pour accomplir la fonction dont ils sont si fiers. Regardez ces habits magnifiques, regardez ce geste apparemment décidé, cet air fier. Et l'on retrouve eh bien, les caractéristiques qui ont fait que l'on a choisi Rembrandt pour cette extraordinaire composition, que ce soit à la fois le fait de le placer dans cette somptueuse architecture. Vous voyez les reflets des casques, des morions que l'on portait en ce XVIIe siècle, les armures. Regardez eh bien, ce foisonnement de détails avec le tambour, avec sa baguette en train de frapper son instrument. Vous voyez la qualité de restitution des étoffes. On a l'impression de les toucher rien qu'avec l'œil, que ce soit dans ces teintes dorées ou que ce soit dans ces teintes rouges et pourpres et l'éclat du bouclier. Alors, comment expliquer que tous ces bourgeois, si fiers, a priori, d'être figurés par le grand artiste d'Amsterdam, se soient montrés déçus du tableau réalisé par Rembrandt, au point que celui-ci n'aura plus aucune commande publique pendant 14 ans? Il est vrai que 14 ans plus tard, il aura d'autres soucis. Ce sera le temps de la faillite pour lui. Alors, d'où vient ce désappointement? D'où vient cette déception? Alors bien sûr, on pourrait se dire que dans un portrait de groupe, alors que certains ont quand même déboursé 100 florins, c'est le prix à payer pour être en quelque sorte, si on prenait une expression d'aujourd'hui, être en haut de l'affiche, c'est-à-dire paraître au premier plan de la composition, on voit bien que certains ne sont pas à l'honneur. Celui-ci n'a pas dû être très heureux d'avoir une partie de son corps totalement dissimulée et d'être dans cette obscurité quand cette étonnante petite fille, petite, pas vraiment, avec ses traits de femme, peut-être même de vieille femme, nous y reviendrons, capte toute la lumière, mais que fait-elle à côté des arquebusiers? Et celui-ci, est-il bien flatté d'être comme ça caché derrière le rebord du chapeau et l'oreille de l'élégant à la fine moustache? Et qu'est-ce que c'est que ce bras sur une photo de classe? On dirait aujourd'hui, arrêtez de faire le zouave, gardez vos bras le long du corps, vous voyez bien qu'on ne voit pas votre camarade milicien à l'arrière-plan. Et celui-ci, qui semble plus là pour la plaisanterie, à faire le guignol avec ce casque qui lui retombe sur les yeux et qui ne lui permet pas de voir grand-chose. Alors, je repasse un instant par la
l'admirable composition dans son entièreté, pour que vous y repériez les quelques éléments que je viens de désigner à votre attention. Poursuivons notre découverte de ce tableau. Nous étions tout à l'heure à proximité de cette étonnante petite fille. Regardons-la, petite fille, vieille femme, certains ont émis l'hypothèse que Rembrandt lui aurait prêté les traits de sa propre mère, à moins que ce ne soit les traits d'une de ses filles, Cornelia. Toujours est-il qu'elle capte d'une façon fort peu naturelle toute la lumière au cœur de la composition. Puis il y a cet étonnant poulet qu'elle porte à la ceinture, et ce poulet, c'est un des symboles de la compagnie des arquebusiers. Et vous voyez la bourse qui pend plus bas, eh bien c'est le prix de commande de ce tableau. Et puis vous devinez peut-être, même si on la voit mal sur cette image, mais je vous en montre eh bien le contour, la corne de cérémonie pour ces fameuses cérémonies des arquebusiers. Poulet, cérémonie, s'agit-il vraiment d'une milice bien aguerrie? Les images suivantes vont nous permettre d'en avoir le cœur net. Qu'est-ce que c'est que cet uniforme? Bien sûr, nous avons des casques. Nous avons un casque du type morion, alors en vigueur. Nous avons un casque davantage dans un goût antiquisant. Est-on au carnaval? Et ce bourgeois avec son haute forme, est-il bien habilité à faire partie de ces arquebusiers pour la défense de la ville d'Amsterdam? Et celui-là, certes, avec son chapeau plumé élégant, ma foi, semble pas tout à fait bâillé aux corneilles, mais ne pas regarder dans la même direction que les autres, pourvu qu'aucune menace ne vienne de la droite. Est-ce une manière de recharger comme cela son arquebuse alors qu'on est en train de marcher et que la pétoire que vous pétez au nez à tout moment est celui-ci qui souffle? Eh bien, vous voyez sur son arme pour la faire refroidir, il est juste derrière le lieutenant qui assiste le capitaine. Et bien sûr, ce lieutenant a un magnifique plumet blanc, mais ça n'est pas que la blancheur du plumet, c'est bien de la fumée qui se dégage de cette arme. Comment se fait-il? Eh bien, que cette arme me dégage tant de fumée. Bref, a-t-on vraiment affaire à de grands spécialistes? La ville d'Amsterdam a-t-elle raison de confier la sécurité de ses nuits à ceux qui sont censés faire la ronde? En réalité, cela fait quelques années que les plus grands dangers sont sur mer, en Hollande, à cette époque-là. Et s'ils se retrouvent, c'est davantage pour le rite social, avec ses banquets, ses festins, presque tous les soirs. Et cette commande était d'ailleurs destinée à être accrochée, ce qu'elle l'a été jusqu'en 1715, au-dessus du réfectoire, ou plutôt, car on n'est pas dans une abbaye bénédictine, au-dessus de la salle de banquet de l'hôtel des arquebusiers qui a été construit une cinquantaine d'années auparavant. Rite social, donc plus que véritable milice, et on comprend mieux la déception de ces personnages si sûrs de leur importance, et on voit eh bien que en dépit de l'austérité toute calviniste de Rembrandt, de l'ironie perce sous cette composition. Et puis regardez ces pics qui partent en tous sens, comme ces regards dont aucun ne semble regarder au même endroit que son voisin, certains échangeant des propos dans le conciliabule. Et ce geste qui avait paru si décidé au départ, n'est-ce pas plutôt un geste d'incertitude? On a beaucoup jasé sur les relations supposées entre le capitaine et son lieutenant. Mais que tout cela, toutes ces réserves qui ont fait que le tableau, à son temps, n'a pas été apprécié à sa juste valeur, ne nous empêche pas d'admirer ce soir cette admirable ronde de nuit et de comprendre, Martial nous en parlait auparavant, tout ce qu'un peintre si éloigné, apparemment, de Caravage, il est né à Leyde, Rembrandt, 3 ans avant la mort de Caravage, et bien tout ce qu'il doit à cette pratique du clair-obscur qui nimbe d'irréalité cette scène, mais qui lui confère aussi son unité dramatique. Voilà pour cette présentation brève de la ronde de nuit qui mériterait bien davantage. Les amateurs de Rembrandt pourront me retrouver le 12 janvier, c'est un mardi à 18h30. Et je laisse la parole à notre ami Alex pour la suite de notre soirée et nuit du solstice.